Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout un honneur et un plaisir de vous retrouver en ce jour pour ce deuxième numéro de Regard de Fait qui vous est produit depuis la province du Grand Katanga. Bien entendu, vous le suivez de partout à travers la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas parler région, nous n'allons pas parler ville, nous allons plutôt parler de la République. Ce ne sont pas les 400 vidéos du sextape du brillantissime Balthazar de la Guinée équatoriale, moins encore le comeback de Donald Trump à la Maison Blanche qui feront oublier à des milliers de Congolais la grande question sur la révision ou les changements de la Constitution dans notre pays. La révision de la Constitution, cette question prend de plus en plus de l'espace dans des conversations, faisant ainsi de tous les Congolais des autodidactes constitutionnalistes pour analyser cette question de la révision ou sinon du changement de la Constitution. Des griots, sociologues, historiens, constitutionnalistes patentés et assermentés, autorités morales nées de la dernière pluie, soutenant ou récusant la révision ou sinon les changements de la Constitution. Tout le monde en parle et finalement la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution quitte son champ juridique pour un camp purement politique. Exagérant un peu, cela irait dans les Sciences Po. À tous et à toutes, merci de liker et de partager ce lien que vous prendrez désormais l'habitude de suivre sur Habari, l'ICASI-R2C, pour suivre les différentes chroniques que nous aurons l'opportunité de vous présenter. Nous, c'est Joseph Tshibangouté 8. Nous sommes avec vous. À tous et à toutes, merci et bienvenue à ce Regard de Fait. La révision de la Constitution de manière très liminaire, nous allons fêter l'article 217 dans le 118, devrais-je dire, de notre Constitution. Il faudra réellement la lire avant qu'on la change. J'ai avec moi la Constitution, je vais lire l'article 218 de la Constitution, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, primo, au président de la République, secondo, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, tertio à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, quarto à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 5000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Fin des citations. Chers observateurs, chers républicains, vous que suivez, Regard de Fait, vous allez constater avec moi que l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est offert la part du lion, prenant en charge le chantre de la révision ou sinon du changement de la Constitution. A emboîta le pas du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton. À Kisangani, il disait qu'il était important de réviser ou de changer cette constitution parce que c'est une constitution qui a été rédigée par des étrangers et à l'étranger. Nous avons vu, vous et moi, que plusieurs chambres politiques ont sorti dans leur carquois des experts, disons mieux, ceux-là qui ont rédigé la constitution. Question d'histoire, permettre à tous les journalistes, mais aussi tous les élèves né de la dernière pluie d'apprendre que la Constitution de la RDC avait été rédigée à Kisangani. À ce stade, au sein de l'Union sacrée, seul l'UDPS se tape du poing et montre le pouce. Et les alliés de l'UDPS sont calmes et silencieux. Sûrement, chacun en train de charger son carquois pour proposer au président de la République ses exigences avant de porter haut le narratif de changement ou de la révision de la Constitution. Sûrement, dans les jours à venir, après consultation, certains cadres de l'Union sacrée, bien entendu, calmes, vont sortir sur des espaces publics à travers la RDC
pour parler, oui ou non, du changement de la Constitution. Sûrement, certains sont là calmes, en train d'attendre et réfléchir sur quoi proposer au président de la République. Certaines notabilités et grands leaders d'opinion iront dire au président de la République sûrement cette phrase célèbre « Monsieur le Président, donnez-moi la tête de la prochaine primature, je vous donne ma province pour les changements de la Constitution ». Certains diront « Monsieur le Président, donnez-moi la Gécamine ou donnez-moi l'Amiba, moi je vous donne toute ma communauté chantera pour les changements de la Constitution ». C'est un narratif qui va se pointer à l'horizon dans les jours à venir. Soyez-en rassurés. Quand l'Église catholique entre en danse, ces prélats catholiques, vous le savez, de leur rôle historique qu'ils ont joué dans notre pays, notamment par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Accord de la Saint-Sylvestre qui a permis à ce jour d'avoir une passation civilisée et historique entre le peuple congolais, disons, entre deux camps présidentiels. Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces catholiques, ces prélats catholiques ont joué ces rôles-là, ont offert leurs espaces pour permettre à ce que les politiciens congolais se retrouvent autour d'une table pour négocier. Et donc, le fameux accord de la Saint-Sylvestre que tout le monde connaît. Les prélats catholiques rappellent au président de la République qu'il n'était pas important de changer la Constitution, c'était très dangereux. Augustin Kabuya n'est pas resté dans sa chaise, huppé bien entendu dans son salon climatisé pour dire « Les prélats catholiques, ce sont des politiciens en soutane ». Fin de citation. Les protestants ne sont pas restés dans leur loge, ils sont vite sortis et entrés en transe, tout en affirmant que ne pas accepter le changement de la Constitution serait un péché grave. Allons tout droit vers le fait. Vital Kamerhe wa Kaningini Kingi, entre le froid et le chaud. L'allié incontournable jusqu'ici de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe. Il est dit, chaque fait d'actualité est une file de l'histoire. Revenons-en à l'histoire, nous sommes là en 2009. Lorsque le président de l'Assemblée nationale à son temps, Vital Kamerhe, président bien entendu, et secrétaire général du PPRD et membre du consortium majorité présidentielle à l'époque. Vital Kamerhe avait été contraint à la démission par le simple fait qu'il aurait dit ou qu'il avait dit qui n'était pas informé à son temps, bien entendu, à l'époque de Joseph Kabila, nous sommes là en 2009, qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises sur le sol congolais pour une opération militaire dans la partie est de la RDC. Sur le territoire congolais, j'ai dit, je ne suis pas au courant. On a dit, regardez France 24, effectivement, il y a eu des colonnes de militaires. J'ai répondu aux journalistes des Radio Capi. Je lui ai dit... Ma réaction d'abord, c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Ces déclarations avaient coûté la tête à Vital Kamerhe. La déclaration d'avoir dit à son temps en 2009 qu'il n'était pas informé de l'entrée de troupes du Rwanda sur le sol congolais afin de travailler concomitamment avec nos forces armées de la République du Congo pour chasser le rebelle. Une position de Vital Kamerhe qui avait coûté son poste de président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il avait dit à son temps? On va lire ensemble avec vous. Ce sont les archives du 25 mars 2009. Qu'est-ce qu'il avait dit? On va lire ensemble avec vous. Cette déclaration a été mal appréciée par ma famille politique qui estimait que j'avais commis un crime de lèse-majesté. Car je venais là, semblait-il, de contredire le chef de l'État, chef de ma famille politique. Fin de citation. Nous sommes là en 2009. J'ai été contraint, j'ai été astreint donc à la démission avec en prime une forte campagne de diabolisation et des injures gratuites sur ma personne à travers
toute la presse écrite et audiovisuelle. À ce stade, le président de la République, qui est encore chef de sa famille politique, qui est l'Union sacrée, a dit « il faut changer la Constitution ». Il faut envisager les changements de la Constitution. Est-ce que Vital Kamerhe va-t-il obtempérer à cette logique? Son silence jusqu'ici inquiète. Si Vital Kamerhe irait à l'encontre de la pensée de l'autorité morale de l'Union sacrée, et donc Vital Kamerhe serait contraint à la démission. Parce qu'il sera ou il est obligé de porter la charge de la communication sur la révision ou non, ou sinon les changements de la Constitution. Augustin Kabouya l'a dit. Le chef a dit à Kisangani, il faut suivre. Augustin Kabouya a dit également, Mokonzi Alobi, il faut koto ça. Est-ce que Vital Kamerhe, ce grand notable Mouchi, va-t-il emboîter le pas de son allié politique et électoral? Sûrement, Jean-Pierre Bemba n'aura peut-être pas à perdre parce que jusqu'ici, il reste encore inéligible parce qu'il avait été condamné pour fait de corruption, qu'on appelle effet de subornation de témoins. C'est une question qui l'attrape jusqu'aujourd'hui. Donc Jean-Pierre Bemba n'a rien à perdre dans ce cas. C'est Vital Kamerhe tout naturellement. La notoriété. Affaire 100 jours, il a fait la prison en défendant le chef de l'État. À ce jour, Vital Kamerhe est entre le chaud et le froid. Va-t-il réellement suivre le pas pour éviter le pire qui lui est arrivé en 2009? Parce que s'étant opposé à l'entrée des troupes rwandaises sur une négociation de Joseph Kabila Kabongé, sous les seuls Congolais du gouvernement. Et aujourd'hui, à l'époque on disait « faute de lèse-majesté ». Et aujourd'hui, Fatshi a dit, Tosa Mokonzi, Fatshi a dit, changement, révision de la Constitution, est-ce que Vital Kamerhe Wakaningini Kingi, ce grand notable Mouchi, va-t-il emboîter le pas ou sinon risquer de démissionner pour la deuxième fois? Cette fois-là, ce sera en 2024 ou 2025. Va-t-il voir cela? Chers observateurs congolais, entre la conviction politique et la survie politique, seuls les justes en politique passeront par les chats de l'aiguille. Ça sera tout pour ce regard de fait. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Habari Likasi RDC. Vital Kamerhe Wakaningini, entre le froid et le chaud, va-t-il réellement se décider pour suivre les changements ou la révision de la Constitution ou partir et entrer dans l'histoire de la RDC d'être la deuxième ou la première personnalité politique à démissionner pour la seconde fois au poste du président de l'Assemblée nationale. Ça sera tout pour aujourd'hui. Mukele innocent. Awa, Zandri Kambo Yamboka. Merci. Vanu, Malou Aditunga. Awa, Yoke Mambu Ya Insinabetu. Apa, ni mambo ya inchi.